Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid. Comme vous pouvez le constater, Damned est toujours là, ainsi que Stan et Katox. Salut tout le monde! Hello! Salut! Et donc, on devait partir, profiter qu'il fasse nuit là, pour aller faire une petite expédition. Ouais, alors attends, parce que je vais essayer de te rajouter une ampoule dans ton phare gauche. Et cette fois, je vérifie en speed qu'on a rien laissé sur les sièges et tout. Moi aussi. Ah, il y a un générateur toujours dehors. Hey, oui, la voiture rouge, elle a deux phares. Ouah, putain, la vache. Ouais, ouais. Et la mienne, elle en a pas, non? Bah... Non, mais je sais. Vu que, même du pas... coup, non, il a... Vu que du coup, il a pris ceux de ta voiture pour la nôtre. Non, j'avais une ampoule d'avance. Dans notre voiture, on a rien qui traîne. Bah, normalement, j'ai regardé, justement. Attends, je vais vérifier le coffre, quand même. Mais non, attention. Non, j'ai vérifié le coffre déjà, il y avait juste un générateur sur le siège arrière, il est vide. D'accord, eh ben on y va alors. Attendez-moi. Tu veux venir? Tu viens, Katox? Je monte avec Damned. D'accord, ouais, parce que c'est une nouvelle ville, ça va être dangereux. Hein. Surtout avec les bip-bip de Damned. Oh non, mais Damned, y a pas moyen, faut que en route tu trouves moyen de déconnecter ça. Hein. Attends, tu peux attendre deux secondes? Je vais regarder si on peut faire ça. Oh pardon. Tu me demandes d'attendre, j'attends, attention. Non, vas-y, continue, Attends, avance pas, je vais regarder la fenêtre mécanique. Ouais, voilà, t'as envie. Non, mais ce serait bien qu'on regarde vite fait quand même. Katox, il va le faire. Alors. Parce que c'est bien de la merde ce truc. Ça sera sûrement dans autre boîte à gants, non, y'a pas moyen. Youpi. Dommage. Ouais, non, y'a aucun moyen de faire ça. C'est bien dommage. Hein. On a un demi-plan, ça suffira. Hein. Au pire, Damned, si on trouve un petit véhicule. Bon, bah, tu me guides, hein, Slan. Mais je l'aime bien celui-là. La rue principale. Ouais, mais si on trouve un tu mieux. On retrouve la grosse nationale. La rue principale. C'est-à-dire pas celle-là, là, celle-là. Bah, à moi de pas te faire de marche arrière aussi. Hein. À gauche. C'est sûr. Au moins possible, quoi. Voilà, et puis à droite. T'es bien avec deux phares quand même, hein. Ouais, bah déjà que je vois pas grand chose, c'est clair que ça aide. Hein. Attention en voiture au croisement. Moi il me manque un phare, mais bon, je vais pas m'arrêter là pour celle-là quand même. Non, bon, on regarde en ville. S'il y a genre un gros fourgon ou autre. Donc on va à Riverside, c'est la dernière ville qui a été rajoutée dans le jeu. Et elle possède un endroit où, a priori, pour l'instant, j'ai pas l'intention de vous amener, mais c'est un grand manoir, un club pour les personnes très aisées, où on trouve en général des véhicules de luxe, des clubs de golf et tout ça, quoi. Un club échangiste? Non, je crois que c'est un club de golf, avec un golf. Ouais, bah je préfère ma version. Ouais. Oui, enfin en même temps, la version zombie du club échangiste... Il y a moins que ce soit un peu glauque. Ouais. Ça fait que ça y a du peuple. C'est sûr que Mamie Germaine, avec son filet de pêche sur les genoux en mode zombie, ça va faire peur. Déjà de base, ça fait peur. Mais en plus, alors le club échangiste, j'avoue que je voyais pas Mamie Germaine, mais bon. Écoute, alors, pour arriver à Riverside, vous m'écoutez bien, vous restez toujours sur des routes en béton et vous tournez toujours à droite. Ok. Okay. Et en théorie, c'est sur le bord de la rivière. Et là, on va à gauche du coup. Bah oui. Il fait jour. Donc les phares ont 100. Eh, casse pas les phares, hein. Ah bah je fais ce que je peux, hein. Il y avait beaucoup de zombies. Et quand vous allez fouiller des maisons, pensez à prendre les ampoules dans les dans les lampes. Je te signale que j'avais une voiture efficace et t'as tenu à me la désosser. Au lieu de pas très efficace, elle a été beaucoup abîmée aussi, surtout. Et comme on n'en avait pas d'autres du même modèle, elle est beaucoup abîmée parce que tu l'as défoncée à la main contre le mur du Twiggies. Ouh, la voiture et sur au la passage, route. On y a mis le feu entre deux épisodes. Sur la droite, mais pour le moment. Pour l'instant, la route c'est tout droit, enfin il faut la suivre quoi. Ouais. Mais c'est loin, hein. On est. Non, mais j'ai 4 vitesses sur cette bagnole, bah, sans déconner quoi. Ah, mais ça s'arrête là. Faut que j'avance. Ah, j'ai perdu la connexion au serveur. Voilà. Aïe. Moi j'avance plus, hein. Pratique ça.
Il est derrière nous. Hein. Bah, moi j'ai perdu la connexion là. Donc, C'est bon, je vous vois. Effectivement, il n'y a plus que Slane tout seul dans la bagnole. Bon, bisous, à plus hein. Bah, allez, je vais prendre le volant puis on va y aller. Alors attends, quitter la partie. Je sais pas ce que ça va faire quand je vais revenir du coup. Stop, dans la voiture. Ouais, dans la voiture, c'est très classe. Bouge dessous. Pas, j'ai pas envie de crever pour une connerie quoi. Ouais, j'avoue. Vous pouvez attendre, ce serait cool. Je le vois bien, il arrive dans la voiture, il passe en dessous et. Vous pouvez descendre et revenir s'il vous plaît, il y a une maison à looter juste à côté. Putain, je suis encore en contact du cerveau. Attends, je fais une marche arrière. Je viens en marche arrière. Hop là. Mais quelle idée de con. Ah bon? Ouais. Bip bip bip. Tu vois, c'est bien, c'est qu'il est, au moins c'est qu'il est reconnecté, il a entendu les bips. Non, je suis pas reconnecté, je m'en suis douté. Ah bon. Ah, il y a de la javel. Je relance le... Tu peux me réinviter, s'il te plaît, à Katox. Elle est où sa baraque de riche là? Enfin, c'est là où on voyait l'espèce de jardin là. Bon. Je vais manger les chips. Ça, c'est des champs. Bah ouais, merci. Je suis au courant. Et donc, retrouve la petite voiture rouge. Bah, sauf s'il s'est enfoncé dans l'herbe. Non, il a laissé la voiture sur le béton. J'espère, parce que je sais pas où je vais repoper du coup. Si je repope à 120 miles à l'heure sans voiture, je vais un peu me vautrer sur le béton. L'airpop, il fait 88 miles à l'heure. Il va. Je me re-téléporte en 2019. Non, Zeus. Ah merde. Normalement. Et t'as besoin d'un boule à gâteau, non hein? Une poêle. Ah, je vais repoper sur la route, mais je suis tout seul. On n'est pas très loin. Par défaut, je continue d'avancer. Je crois que j'en ai déjà des moules à gâteau et poêle, j'ai déjà. Alors j'arrive à un... Ça tourne vers la droite. J'ai pété la porte, hein, Katox. Attends, je vais aller te chercher alors parce que... Moi, je vais prendre le poignet de porte et les charnières. Le Chatterton aussi, non, éventuellement. À mon avis, t'es parti en avant. Ouais, je pense je te laisse tout prendre, vas-y. Continuer d'avancer, je pense. Je retourne en arrière, du coup. Ferrailles électroniques, ça marche à côté de la route, histoire d'éviter que tu Je crois que c'est bien pour Slane, ouais. C'est bon, on peut y aller. Je prends cette merde. Une NAS, de la ferraille, c'est intéressant, baguette de un pistolet. On est reparti. T'as pris toute la bouffe ou pas? Oui, il a dû prendre toute la bouffe. J'ai pris toute la bouffe, ouais. Ah, de la glace. J'ai même du steak haché cru. C'était déjà ce bien. Ça allait, ouais. J'ai pas eu peur. Il était parfaitement maîtrisé. J'ai une briquette de jus de fruits. Je vais la boire. Ah, cool. C'est vrai que j'ai une légère soif, moi, ça va. Alors qu'est-ce que j'ai pour toi? Une bouteille de whisky, une bouteille d'eau. Non, bah je vais attendre d'avoir vraiment soif, hein. Pas en pièce. Non, je te mets la bouteille d'eau dans le pare-soleil. Tu peux boire en conduisant, il paraît. Dans le pare-soleil, il y a un pare-soleil. Ah, la boîte à gants. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, mais... la bouteille d'eau dans le pare-soleil, c'était chaud quand même. Ouais, et la boîte à gants qui fait pare-soleil, j'imagine pas le bordel dans la bagnole, quoi. Attends Je vais manger du chocolat, tiens. Oh, y'a du soleil, attends, tu peux démonter ma boîte à gants, tiens, prends le tournevis. Est-ce que vous êtes en route, vous, au lieu de... Oui, on est en route, alors tais-toi. Parce que j'ai même le temps de manger une glace. Il est déjà quasiment 8h du matin. Hein. Et alors? Et c'est vrai qu'on on va tomber dans les bouchons du matin. Ah ouais. Ouais, tiens, regarde, y a des trucs sur le bord de sur la route, là. Encore un coup des gilets jaunes, ça. Juste après le virage. Ah, mais c'est les États-Unis, y a pas un seul rond-point. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas de priorité, que des salles. Alors, c'est marrant qu'on aille vers le sud parce que, quand même, Riverside c'est au nord quoi. Bah écoute, moi je suis. Bah, c'est toi qui as donné les indications. Ouais. T'es en train de te planter en fait. Non, c'est bon, on tourne à l'est là, à l'ouest là. À l'ouest alors t'as dit que c'était à droite. C'est un veau cette caisse. Bah cas, la mienne est pire hein. Toujours pas rattrapé hein. Ah, mais dans les virages quoi, j'ai peur de perdre mes roues. Ah, ouais, oui. Ouais, bah je préférais que tu perdes tes roues que le virage qu'on a fait tout à l'heure hein. Eh, hey, je te signale qu'on n'a pas touché. Tu l'aurais fait, on aurait touché, Slane virage là. Slane virage. Les fleurets peut-être un peu. Je raye pas la peinture moi. Bon, mets-nous un peu de radio, Katox, on s'ennuie là. Ouais, on va klaxonner. Mettez le gyrophare. Ah ouais, un gyrophare, non, mais klaxonner, je suis à deux doigts de le faire, hein. J'ai le doigt sur le bouton. Hein. Oh, c'est bizarre quand même, toutes ces routes qui partent. Ouais, non, mais c'est parce que c'est loin, c'est tout. Hein. En fait, on va se taper. Mi-réservoir. Oh. On va se taper 4 vrais kilomètres, hein. On va mettre autant de temps dans le jeu que dans la vraie vie. Hein. Oh là là. Un épisode entier à rouler, on est bien désolé. Bah oui, bon. Ah. Voilà, à droite. C'est bon.
Quand on arrive sur la petite route comme ça, c'est bon signe. Ouais. Ouais. Ça serait bien qu'on commence à remonter là. Bah on monte là. Ah, ah, tchoum. Non, fallait pas éternuer. Ah bah bravo. Pardon, j'ai pas fait exprès, tu sais quand j'éternue, j'ai tendance à avoir la tête qui part en avant et paf dans le klaxon. Tes voisins qui doivent être contents. Ah oui. C'est bon, je suis bien nourri. En plus, eh, ça repose la voiture en fait. Faut suivre la route là ou faut aller à droite? Non, faut suivre la route hein. Faut tout le temps aller sur la route en béton, jamais sur les sentiers. Et quand vous avez un choix, c'est à droite. Ok. Quand vous arrivez au bout de la route, c'est à droite là. Il y a un espèce de four, c'est à droite. Ah bah. Ouais. Un jour la peut-être. La route est plus petite. Ouais. Ouais. La vache quoi. Ouais. On va pas déconner hein. Bah non. Au Katox, c'était une blague à raconter, c'est le moment. Hein. Ouais, Katox, là, on t'a. Là, c'est le bon moment là. Bah. Non. Il est parti servir une bière. Voilà, Katox désagréable, tu vas encore te prendre des commentaires des gens, dire oui, il raconte même pas de blagues, il sourit pas. Oui, il est belge, il est belge, il a pas d'humour, je comprends pas. C'est vrai, ouais. Oui, laissez la police faire son travail. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi l'avez-vous pris? Oui, on n'a pas eu le choix, je tiens à dire qu'on n'a va... pas eu le choix. Il y avait des minorités. C'est la direction qui nous l'a imposé, voilà. Il y avait que lui qui avait le matos pour héberger le serveur, hein, faut le dire. Hein. Voilà, et puis on est obligé de prendre des personnes de petite taille pour mettre dans les séries. T'as jamais vu Katox, toi. Ouais, ouais, petite taille, ouais. Je la retiens, celle-là, tu sais. Tu vois un cœur assez tyrannide. Tant qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne le savent pas. Ouais, il y en a quelques-uns qui m'ont vu dans tes auditeurs. Ah, attention. Eh, on est en approche de la ville là bientôt, on a fait au moins la moitié du chemin. Ouais, ouais. On n'a pas la même notion de bientôt, je crois. Je vais reprendre un bêta bloquant, tiens, parce que. Je m'ennuie. Ouais. Le mec. Vas-y, si vas-y, on met la radio, ça nous désennuie pas si on met la radio? Bah. Faut déjà capter. Oula, y'a des voitures sur la route. En tout cas, y'a pas un zombie, hein, faut avouer. Non, bah c'est quoi, ça m'étonne, y'a rien aussi non plus. Alors, moi c'est bizarre, de temps en temps, au-dessus de Katox, c'est marqué WZZT, je me demande s'il pète ou. Il dort. Ouais. J'ai pris un flacon entier d'antidépresseur. Ah, j'ai une nouvelle à vous dire, on est arrivé à un carrefour. Ah, on a continué tout droit. Et donc, c'est à droite. Bah là, en l'occurrence, c'était tout droit sur ce carrefour. Ouais, là, c'était tout droit. À droite. Le plus à droite c'était tout droit. Ah oui. Ouais, compris. Quoi. Voilà. C'est sympa les ombres des arbres. Hein. Ouais. Ça clip un peu mais c'est plutôt bien fait. Ah ouais. Ouais, quand on s'ennuie on s'occupe comme on peut. Alors il me reste quoi? Il me reste du miel. Je veux manger du miel. Hein. Ah. Mais mec, alors ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça y est. Enfin on part vers le nord. Mais tu sais qu'on a plus d'essence. Hein. Eh ben. Non je déconne. Ça a été drôle ça là. Tu me fais pas le coup de la panne hein. Eh, t'aurais dû franchement, tu coupes le moteur, je suis sûr que ça marche. Franchement, j'ai vidé la banquette arrière, faut bien que ça serve à quelque chose. Bon, est-ce qu'on peut le faire en roulant, tiens? S'il vous plaît, c'était trop drôle. On arrive en ville. Ah, c'était trop drôle à faire. Il aurait dû faire ça. Oh, excuse-moi, Katox, faut que j'arrive à redémarrer maintenant. Qu'est-ce qu'il nous fait maintenant? Il a coupé le contact en roulant, ce con. Ouais, c'est énorme, t'as l'impression que ça fait vraiment panne, hein. On démarre. Y a un zombie mort, un zombie vivant. Ah, on commence à voir des maisons. Putain, oui, il y a des zombies. Ça y est, on arrive en ville. Je peux klaxonner? Quand on arrive en ville. Oh là là. Je connaissais pas cette chanson, tiens. Quand il arrive en ville. Je monte là. Hein. Ça suffit, hein. Ça suffit. Je connais mes affinités avec la musique, Damned. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que... Je crois que j'ai tué Damned. Je suis avec Katox. Et vous voyez pas. Et du coup, comme vous voyez pas, il peut m'envoyer des chats qu'il y a que moi que je vois. Au-dessus de lui. Et donc, il dit des trucs. Et voilà. Que je ne répéterai pas, bien évidemment. Mais vous êtes dégueu. Ah bah, surtout Katox. Bravo. Mais c'est honteux. Mais c'est off, hein, ça se trouve, je peux vous dire ça et c'est pas vrai, hein. Ah, c'est vrai.
Je tiens à dire qu'après mes nombreuses journées d'entraînement, j'ai enfin 700 points d'XP en force. Ah mais c'est trop bien, on peut allumer les phares en cliquant juste sur le petit bouton phare du tableau de bord. En force, j'ai ah, t'avais pas compris ? Non, moi je faisais V à chaque fois. Ah ouais ? Ah non. Ah, ça y est, c'est le champ. Tu vois ces champs parce que effectivement, il y a un champ de fil. Ils ont dit qu'ils voyaient plein de trucs et en fait j'ai l'impression qu'ils nous ont tracé parce que nous on est toujours on voit que des arbres en fait. Ah ouais mais déjà leur voiture va au moins un tiers plus vite que nous. Ouais, ouais attends on monte à 120 miles par heure nous. Hein. Bah ouais, moi ouais. Je suis à 95. Hein. Par contre je peux porter beaucoup de choses mais bon. Ah il pleut. Ah bah il pleut tiens c'est bien ça. Ouais. Ah, ah on est pas si loin il pleut. Donc, là, je vais prochain droit, virage ouais. À gauche c'est la ville. Oh, y'a des gens. On a une ligne jaune. Ouh, la civilisation. Donc, quand vous retrouvez la ligne jaune, vous suivez la ligne jaune. D'accord. Ce sera sur la gauche, pour changer de la droite un peu. Alors, par contre, je sais pas si c'est la bonne route, mais bon, y'a des phares, y'a tout là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pont. Un pont? Oui. Un pont. Tu viens de traverser une rivière. Ah, un d'accord, pont? C'était une rivière. Un ah, pont. Non, fallait pas aller là. Ah merde. Ah bah. Je fais quoi, okay. Je fais demi-tour. Oh, on arrive au mansion, je crois. Ouais, bah tant pis, on y va. Suivez la ligne jaune, on va aller au manoir. Au point où on en est. On est devant. C'est pas le truc où t'as dit que tu nous emmenais pas tout de suite. Si, c'est ça, c'est là, on y arrive. Parfait. Bon, on va faire demi-tour. Hein. Non, c'est pas le mall, hein. C'est pas le mall, hein. C'est le manoir. Il y aura des livres. Mmh. Ouais, il y aura à manger, parce que je commence à avoir la dalle. Ouais, il y aura à manger, il y aura tout. Cool, parce que je commence à avoir la dalle. Et puis il y aura une belle bagnole de sport pour le signe noir. Cool. Ah, il va enfin pouvoir faire ce qu'il a toujours rêvé, faire le kéké en voiture. Tu vois la grille qu'on suit, c'est la même propriété depuis tout à l'heure. Ouais, depuis des années, il m'en parle. Tiens, t'as beaucoup de zombies. Ah bah, m'en je, parle je pas. Je commence à les écraser du coup. Si je vais avoir une nouvelle voiture, je peux péter celle-là, c'est bon. Bah. Moi, ça m'occupe un peu. Ma titine. Ah non. Eh, je commence à bien comprendre comment les flinguer. Hein. La Red Slan. Ouais, bah, dès que tu prends beaucoup du test, t'en chope un par un et ça va. Je tourne là du coup. Ouais, bah ça y est. J'ai remarqué que ça marche mieux quand tu les prends sur le côté. Ah ouais, la vache, c'est une sacrée propriété. Putain, les mecs, ils ont une allée avec lampadaire et tout pour rentrer chez eux. Mais par contre, ça veut dire qu'après, il va falloir faire la même route au retour, quoi. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est le jeu, hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je crois que ma connexion va pas tarder de planter. En fait, on a fait vraiment les 4 km en. Voilà, dans le temps. Bah, je pense qu'ils sont même plus longs qu'en vrai, hein. Ouais, parce que faire 4 km. Ouais, bah, c'est 4 km. Ah merde, il y a des barrières. Bah on est parti à quoi, 4h du matin? Il est presque midi. C'est, oh putain, je suis tombé. Ouais. Hein, voilà quoi. Alors c'est... pour les barrières, comment on les ouvre déjà? Très court. Ah oui, effectivement, c'est un pont ça. Ah, vous êtes arrivé c'est... au pont. Ah bah, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un pont, hein. Moi, je pense qu'en fait, c'est une mare de chaque côté et c'est juste la route, y a pas de pont. Hein. Alors après, on peut traverser quand on est. Peut-être que la voiture peut passer aussi. Je teste là-bas. Ah bah il passe, ouais. Ok, très bien. Ah bah mince. Donc si... Comme ça. Alors vous pouvez passer à travers les barrières, hein, je viens de vous le dire. Passez dans le métal. Non, t'inquiète, j'ai compris. Non, hein. les barrières, genre passage à niveau sur la route. Non, parce que je vois bien, le gros tournant et... POUM ah, bah, vous m'avez dit que vous pouvez passer. Et là, on est dans la propriété privée, donc dans la route privée de la propriété privée. Oh là là, cette baraque, quoi. Elle existe vraiment cette baraque? Bah, sûrement. C'est le country house. Regarde sur Google Maps. C'est ça. Alors attends, je coupe le contact. T'as vu la piscine? Hop là. Je me suis garé devant une petite fontaine. Ouais, avec bah alors. Des fleurs, ce sont des fleurs. Ouais, bah c'est l'entrée du country house. Ah ouais, il y avait une grande entrée. C'est ouvert! Ah bah oui. Ah, il y a une fontaine, je vais pouvoir aller boire un coup. Voilà. Ah, ouh, on y arrive. Attends, c'était là l'entrée d'Abned. Ah bon? Bah oui, grande allée avec des lampadaires. Ah oui, c'est vrai. Dis, Slan, tu t'es arrêté à chaque lampadaire pour prendre l'ampoule? Oui. Parfait. C'est pour ça qu'ils sont éteints. C'est pas du tout parce qu'il fait jour. Des ciseaux. C'est bien, venir jusqu'ici pour choper des ciseaux, je suis content du voyage. Rentabiliser. Ici c'est le bar et la bibliothèque. Le cool. Bar, cool. Donc, faut qu'on laisse Damned ouvrir. Donc on peut passer les barrières, ils ont dit. Hein. Faut rien ouvrir.
Alors, ça, je pensais pas que le bar il y aurait des trucs dedans, mais il y avait des livres donc j'ai ouvert du coup. Alors, moi il y a un truc que je veux prendre ici, pousse-toi. Dégage. Dégage, virgule, connard. Il veut démonter la cheminée quoi. Et la piscine, c'est quand qu'on la prend en fait? Qui démonte la piscine? En fait, ce que je prends, c'est le plancher là. Ça y est, on est arrivé, Katox. Wouhou! Ah, y'a un zombie. Attends. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai mal aux jambes, moi, je sais pas toi, mais. Ah, c'est fermé ici aussi, t'aurais pas une clé toi? Non, t'as pas de clé. Ouais, c'est des trucs ici, y'a rien, c'est de la merde. Mon dieu, une femme! Ah non, ça va, c'est cela. Je suis en train de prendre le plancher moi. T'as deux doigts pour prendre un coup. Marche. Ah, l'ascenseur ne marche pas. Non. Allez, il faut ouvrir les Damned, ici il faut ouvrir les livres. Ouais, il faut quoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pas? Cuisine expert. Mais non, ouvre pas, Katox, t'es pas chanceux. Ah bah voilà. Bon, je me casse. Cuisine expert, non, il y a électricité expert, c'est même pas... intermédiaire, agriculture expert. C'est un bar, quel est le connard qui range les livres dans un bar? Ah, j'en sais rien. Alors, bien utiliser un générateur. Électricité avancée, travail du métal volume 3 pour faire un grillage. Ça t'intéresse ça? Bah prenez tout hein, de toute façon. Ouais, après ça prend de la place hein. De toute façon Oh, j'ai des fléchettes, des bouteilles de whisky, des sodas, des boules de billard. Eh, c'est parce qu'il nous manque la boule de billard pour jouer. Des serviettes de bain, vous m'avez dit qu'il fallait les prendre. Cuisine nulle avancée, c'est pas bon hein. Ça, bah, je sais pas pour tout ce que cuisine prend au pire, tu me les fileras quand on se croisera, j'ai de la place. Il y a encore du whisky. Ah, j'en ai aussi pour le moment mais des fléchettes, est-ce que je peux lancer les soda, fléchettes? Des bouteilles de whisky. Et oui, un deuxième point en course pour Damned, ça c'est cool. Je ramène ça... des queues de billard, des fléchettes et des boules de billard, on va pouvoir se faire plaisir. Je veux dire jouer. Non, non, mais c'est après, je vous connais, je sais ce que vous allez encore dire. Qui hein? Qui? Quoi? Qui oserait? Tous. Surtout certaines personnes, quand même. Ouais, j'avoue, Damned. Oh, les sales qui est à l'étage. Ah, j'ai trouvé de la réserve. Oh, un trombone. C'est la première fois que j'en trouve un. Quoi, l'instrument? Super. Oh, une... Slad, j'ai trouvé une planche dans une poubelle, c'est pour toi, ça? Super. Ah, là, il y a de la bouffe, là. Bougie, machin... Un jambon. Putain, c'est tout vide, quoi. Je mange le jambon. Du pain pourri. Attention, il y a du pain pourri. Et attends, j'en mange la moitié, je te le donne, tiens. Ah, un petit cupcake. C'est quand même un gros jambon, hein. Allez, c'est bon. Tiens. Bon, oh, t'as pas trouvé tes livres là, par terre. Il nourrit bien, hein. Si, il claque les tranches par terre. Tiens. Tu mangeras ça, chien. Ouais, c'est ça. Ouais, aucun respect. La porte de tarte, elle enlève, elle met de la dépression. Hé, hey, coucou Slan, je te vois. T'as pas trouvé tes livres? Y'a des méga fours là, vous voulez pas prendre le méga four pour moi? Non. Il est trop classe ce four. Non. Ah, je vais essayer, j'arrive. Pour l'instant, je suis en train de prendre le piano. J'ai trouvé les toilettes. Du sucre, parfait. Ah! Premier zombie. Ah, j'en ai déjà tué deux dans la zone, mais c'est franchement calme. Hein. Bah, le coup classique du zombie dans les toilettes, quoi, je suis un peu déçu. Ah, c'est triste, je peux pas prendre l'autre bout du piano. Quelqu'un veut aller chercher? Non. Et pourquoi faire un piano? Bah, comment pour ça faire encore plus de bruit? Ouais. Là, on est dans un bar. Ouais. Y'a pas des portes là? J'ai l'impression qu'il y a des portes. Non, y'a pas de. Oui, des clous. Ruban adhésif. Bon, j'ai l'impression qu'on a tout fait, non? Chatterton. Tout fait, tu rigoles? Oh, mais des, bon, salles oui. Des salles de squash et tout, quoi. Et y a des étages d'abord pour commencer, je sais pas ce qu'il y a été. J'imagine trop, ouais, non. Étage, ouais. Et y a plein de petits bungalows, si... mais bon, ça sert pas plus que de voir des. Quelqu'un a pris une masse au cas où qu'on ait besoin d'ouvrir une porte blindée? Y a une masse dans la réserve. Ah, bon. Dans la réserve. Si tu veux, derrière le bar. Ouais, derrière le bar, y a une réserve, y a une masse dans une des caisses, je crois. Parce qu'il y a des salles sécurisées là. Le golf. J'ai trouvé un marteau. Ah ouais, masse, je l'ai trouvé. Tu peux me ramener l'autre bout du piano? Il est où? Dans la grande salle. Ah, oh, j'ai trouvé un ballon de football américain, eh. J'entends un zombie. C'est là. Top, mais je sais pas où. Ah. On y va après? Un petit point de course. Ah non, faut prendre les fours. Je te le mets où ton piano? Bah dans la voiture de Damnet, je suis en train de le charger. Bah tiens. Bah, c'est toi qui as un pick-up.
C'est vrai. Mais j'aime bien qu'on me demande mon autorisation avant. Allez, tu sais quoi? J'y vais. Je vais faire un tour avec ta bagnole. Eh non, mais je déplace pas le piano sur 250 mètres pour te suivre. Hein. Tu bouges pas cette bagnole tant que je ne suis pas arrivé. Tu m'étonnes. Donc du coup, le livre c'était mort, il y avait rien d'intéressant? Bah, je sais pas. Bah, dans les trucs qu'il y avait dans la salle où vous étiez, j'ai pas trouvé autre chose que ça. Hein. Il y a que deux bibliothèques en même temps. Hein. On va essayer d'aller à la librairie avant qu'il fasse nuit, parce que sinon on va se retrouver au centre-ville en pleine nuit. Ouais, mais il y a des portes blindées, j'aurais bien aimé qu'on les ouvre. J'arrive. Bah, parce que vous avez ce qu'il faut? Bah, t'as dit qu'il y avait une masse. Ah, bah oui. Allez, viens, cela, non. On décolle. Je suis à la piscine, personnellement. Tu veux pas que j'aille regarder tes fours d'abord? Non, non, c'était un double four, tu vas galérer à le démonter. D'accord, pas de soucis. Merde, la porte est ouverte. Mauvais siège. Putain, j'ai mis les trucs sur le mauvais siège. Hop. J'arrive dans deux secondes. T'as ouvert les portes, ça y est? Bah, en fait, la porte est ouverte, mais derrière, quelqu'un a déjà fouillé. Et la salle de squash. Voilà. En fait, non, t'es... Pas là, hein. Où ça? J'arrive. Là, parce... et après, t'as celle-là, là. Ah ouais, bon, allez. Je suis à toi dans deux planchers. Et un rideau. Ah, mais ça enlève aussi les clés quand on fait ça. Ah ouais, c'est juste ça? Si je fais voilà. Ça... Et on a fouillé tous les étages? Non, non, non. Alors, ça, c'est... Il y a plein de trucs à fouiller ici, et maintenant... Ah, c'est un grand restaurant ici et tout. Ouais, on va retourner en ville. Oh, il y a à manger ici. Par là. Moi, perso, ouais. Le demi-jambon, il m'a bien calé, hein. Pas le demi-cochon, quand même. Je trouve un torchon. Tiens, bah avant de partir en ville, on va arrêter l'épisode là. Est-ce qu'il a suffisamment duré cette petite route expédition, on va dire. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup bientôt pour aller en ville. Hein, on va se faire une petite soirée dans un bar. Ouais. On va arriver en ville. Allez, ciao ciao tout le monde. Ciao. Salut.